Je vous remercie de cet accueil. Je tenais aujourd'hui à vous exprimer ma gratitude. Ce que j'ai fait aujourd'hui, je l'ai épuisé du fond de mon cœur. Parce que la direction de l'énergie solaire me contactant pour me donner un programme, sur 4 programmes, ce programme-là devait venir au mois d'octobre. Et le plus grand le programme, l'Olo et Am, puisque vous avez dit que Mme Dabo devrait aller à la retraite, il y avait Daphné, Péorne, Pékeine, Sunilio et le don en tant que directrice de Guibéor. Parce que la retraite est bonne. Aujourd'hui, après que nous deux ayons notre matériel de ventilation et ventilateur que nous avons donné à la prison de Ziensor, nous sommes à Guibéor pour leur donner un panneau solaire. Et dans ce package, il y a le panneau solaire. Il y a un ordinateur, il y a un ventilateur, et en plus, il y a 8 lampes rechargeables. Et en plus de cela, l'énergie solaire, la société a mis à la disposition de l'école des lampes rechargeables, qui consistent en quoi? Dans une lampe, on la recharge au courant de la journée. Chaque élève peut ramener la lampe chez lui pour des révisions la nuit, moyennant 50 francs. Mais cet argent revient à la comité, au comité de gestion de l'école. Et pour permettre à l'école d'avoir un petit fonds pour tourner l'école. Donc, si on nous donne un cadeau pareil, j'aurais bien fait de venir, de déposer le cadeau et de partir, mais beaucoup de gens m'ont demandé et m'ont conseillé de médiatiser et de faire comprendre que c'est dans les bonnes actions que nous sommes en train de mener que nous avions pu avoir cela. C'est parce que, après avoir électrifié 2 mosquées, qu'ils nous ont donné ce package. C'est encore l'exemple que nous tirons de nos camarades, nos frères et amis de Bignor, dans ce qu'ils font dans le Bignor, dans ce qu'ils font pour la population, pour que cette population sache que le président Macky Sall est avec eux, est pour eux, est avec eux, est toujours avec eux. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, le président Mamina Camara est sur cette table. Ce n'est pas parce qu'aujourd'hui, le ministre Abdoulaye Badi est sur cette table. Je les prends en exemple, et quand je le dis, je suis franc et honnête au fond de moi-même. Ils sont en train de faire bouger l'Union. Aujourd'hui, le ministre Benoît n'a pas pu venir parce qu'ils sont en train d'attendre la coupe du Casasport. Aminata Rajedi Maria n'a pas pu venir, elle est à Dakar. Doudouka n'a pas pu venir, il est à Dakar. Koupia empêché. Souleymane Djibo, 2 responsables de JSOR. Nous tous, nous travaillons pour une même cause. Faire comprendre à la population sénégalaise, et plus particulièrement de la Casamance, que le président Macky Sall est en train de se battre pour tirer le Sénégal sur l'émergence. On a un but. Réélire le président au premier tour et maximisant le pouvoir. Je l'ai dit aux uns et aux autres, je n'ai pas de tendance, je ne suis dans aucune tendance, je ne crée pas de tendance, la seule et unique tendance valable et acceptable, c'est celle de Macky Sall. Je serai présent partout où on m'appellera pour faire comprendre aux uns et aux autres aussi bien la paix. Le Benoît Boukayaka est là pour
à la limite, montrer à la population cet auprès du président. Je prononce jamais avec quelqu'un le matin, le soir, assister à sa manifestation. Pourquoi? Parce que dans ses objectifs, il y a un peu de se battre pour élire le président de la République. Et c'est seulement de cette manière que nous pourrions tirer la paix vers le haut en Casamance et faire partie de ceux qui vont réélire le président. Parce que Inch'Allah au Rabbi, il sera réélu. Il ne sert à rien, il ne sert à rien de créer une division entre nous. Il ne sert à rien pour Mamadou Ben d'aller tirer un militant de Doumbouka ou bien d'aller tirer Vignola, un militant de la Brèvache, pour dire que oui, maintenant il est avec moi. Ça ne sert à rien. Ce qui est bien, et je l'ai dit tantôt au cadre, chez moi, je leur ai dit, vous êtes sur le terrain matin et soir, nous sommes là les 8h, vous êtes les gardes-fous du parti. Refusez la division, refusez les tendances, acceptez une chose, la visibilité du travail du président, la visibilité des actions du président, et ensemble, réélisons le président au premier tour à 65 au million. Hier, sur invitation de mon ami et frère, Mamina Kamara, j'étais dans les Kaloum. Ce qu'il fait avec le ministre Abdoulaye Badi dans les Kaloum, on l'a dit en mosquée. Ce qui est extraordinaire, c'est que lorsque vous faites quelque chose de bien et que quelqu'un n'est pas présent à son retour, il dit qu'il y a 3 mois de cela, j'étais absent, mais on m'a dit ce que vous avez fait. Et je vous en remercie. Dieu vous paiera en plus. Et c'est ça qui est important. Moi, à moi seul, Mamadou Baye, je ne peux pas réunir le président. À moi seul, Mamadou Baye, avec ma famille, nous ne pourrions pas réunir le président. Mais ensemble, avec Gounoua, avec Douka, avec Aminata, Angélie, avec Amitama, avec les cadres, les sages, avec Sens de Pignon, en l'occurrence le ministre Abraï Badj, le président Mamina Kamara, avec Eliassine de Oussou, c'est sûr, certes, à Ziyasson, on aura le 70% au président. Le ministre conseiller m'a conseillé, plutôt, le ministre chef de cabinet, pas le ministre conseiller, c'est le ministre chef de cabinet du président. C'est-à-dire, au moment où moi je cherche une audience avec le président, lui, il voit le président. Donc, il y a une différence. Le ministre, chef de cabinet du président, m'a conseillé faire le maximum que possible pour qu'il y ait une visibilité de tout ce que vous faites en Casamance. Nous sommes prêts à vous accompagner. Il ne fait pas de bruit. C'est pour ça que j'ai insisté, grand frère, pour que vous veniez. Parce que je voulais dire ce que j'ai à dire, je le dis toujours en privé, mais il m'a dit aussi de le dire en public et devant la presse. Devant les gens, j'avais dit que les tendances sont en train de fatiguer. Si demain, quelqu'un écrit sur la presse comme quoi Mamadou Baye dans son coin, puisqu'il est maintenant directeur général de l'ANR, a créé une tendance, ça va à la limite dégoûter. D'abord, le ministre français, ensuite, mon ami Mamina Kamara, et les cadres et sages de l'APF de Ziyasson, maintenant, le président sera refusé. Je refuse du fond de moi-même. Partout où les uns et les autres m'appellent pour appuyer, pour aider, pour conseiller, pour rendre visible le travail du président, je suis preneur et du matin au soir, je suis contre. Nous avions eu à faire ce que nous avions fait aujourd'hui à Dimelon. Demain, nous pouvons le faire à les Calumets. Après-demain, nous pourrions le faire dans le Casque. Nous pourrions le faire dans le Foni, dans le Goulouf, dans le Balantakunda. Ça, c'est tout simplement que tout ce que nous faisons, tout ce que nous disons, c'est pour la visibilité du travail du président, la visibilité de ce qu'il a eu à faire pour la Casamance. Et en même temps, le réunir, faire partie de ceux qui vont le réunir. Parce que si on ne fait pas partie de ceux qui vont réunir,
Alors là, laissez-moi vous dire, il sera dégoûté après tout ce qu'il a eu à faire pour la casserole. Je viens ici à remercier l'ouverture d'esprit, l'esprit positif du ministre de l'Environnement et du Développement Durable. Abdoulaye Bibi Balé, je lui dis merci, monsieur le ministre. J'aimerais ici que monsieur le ministre, à l'occasion où il rencontrera le ministre Abdoulaye Bibi Balé, il lui dit que Mamadou Barry, les responsables, les sages de la paix, les cadres de la paix, les sympathisants militants de la paix, lui dit merci. Merci pourquoi? Parce qu'après m'avoir proposé pour une nomination comme secrétaire général de l'ANEF, il pourrait se dire des meilleures choses pour s'y sort. Ça peut s'arrêter là. Il ne l'a pas fait. 7 mois après, 8e mois, il me propose comme directeur général de l'ANEF. Koruda, merci d'être là.